Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Ariana Grande. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, je fais un let's play sur Ariana Grande sur les Sims 4. Je vous invite à aller voir dans la description, je vous mettrai le lien de la playlist où je vous l'afficherai quelque part à l'écran. Et en fait, beaucoup de monde m'ont demandé si je pouvais partager ma Ariana Grande et également les CC. Voilà, donc c'est ce que je fais dans cette vidéo. Tous les liens sont dans la description pour aller télécharger les CC que j'ai utilisés pour créer Ariana Grande. Et vous pouvez tous les télécharger. Et ensuite, je vous partage aussi mon idée dans la description, mon idée origine, mon identifiant en fait. Pour que vous puissiez retrouver en fait tout simplement Ariana Grande dans la librairie, enfin je sais pas comment on appelle ça, la galerie des Sims 4 d'origine, voilà. Et écoutez, c'est parti, hein. Et d'ailleurs si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, je ferai plus, enfin si ce format de vidéo vous plaît, je ferai plusieurs vidéos où je vous présente un peu mes CC sur des créations pour que vous puissiez les télécharger one by one. Si par exemple vous n'avez pas forcément envie de télécharger Mariana ou la voir exactement comme moi, etc. S'il y a seulement peut-être deux ou trois choses qui vous plaisent dans la vidéo, bah vous pouvez télécharger uniquement ce qui vous plaît. En tout cas, je vais vous présenter un petit peu à quoi ressemble ma Ariana. Donc voilà, Mariana de base ressemble à ça. Donc ça, c'est dans sa tenue quotidienne de tous les jours. Voilà, donc... elle a un petit tatouage sur l'avant-bras, parce que je sais qu'elle a quelques petits tatouages discrets. Et vu que j'ai pas forcément les mêmes tatouages qu'elle en CC, du coup j'ai pris un petit peu ce que j'avais à ce niveau-là. Alors dans sa tenue de tous les jours, petit talon, petit jeans et un sorte de top crop top, je sais pas comment on dit. Et petit collier avec la fameuse coupe d'Ariana Grande. Vous verrez, j'ai utilisé trois coupes différentes, je crois, il me semble trois, ouais. Ouais, trois coupes différentes pour toutes les tenues. Alors, je vais maintenant, hop, vous montrer un petit peu ses vêtements. Donc voilà, la tenue quotidienne, comme je vous le disais. Ensuite, la tenue habillée, voilà, donc pareil, vu qu'elle est assez connue pour toujours avoir cette coupe-là. Donc je lui ai laissé cette coupe-là et je lui ai mis une belle robe de gala avec une ouverture sur le devant au niveau de la robe pour qu'on voit quand même qu'elle a des très belles jambes, hein, quand même. Hein. Je suis jalouse, moi, je veux les mêmes. Je suis jalouse. Et voilà, petits talons forcément, donc des talons différents, petits bracelets avec des petits détails rouges. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette tenue. Au niveau du maquillage, j'ai fait quelque chose de un peu plus, un peu plus foncé, un peu plus voyant. Parce que voilà, c'était pour l'occasion. Elle a également des sourcils CC que j'ai téléchargés. J'ai essayé de reproduire un petit peu la même courbe de sourcils qu'elle avait. Elle porte également des cils. Vous verrez que de toute manière, toutes mes Sims ont des cils CC. Pareil, vous inquiétez pas, tout dans la description encore une fois. Donc pour la tenue habillée, voici, voilà. Et on va passer à la tenue sportive. Alors pour la tenue sportive, j'adore cette coupe. Je préfère limite même cette coupe que la coupe de base qu'elle a. Mais bon, voilà, c'est Ariana, donc j'essaie de la reproduire comme telle. Donc pour la tenue sportive, j'ai mis un pull un peu loose avec un sorte de legging Adidas et des petites chaussures qui ressemblent à des Stan Smith. Concernant la coupe, moi c'est ma préférée, hein, en tout cas. Voilà, les petits cils, tout ça, enfin ça n'a pas changé. Je lui ai enlevé le make-up parce que je me suis dit que tout simplement elle n'en avait pas besoin pour faire du sport. Mais concernant la coupe, comme je disais, j'ai décidé de lui mettre une natte parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus confortable pour faire du sport avec les cheveux attachés. Et c'est pour cela que je lui ai mis une petite tresse et qui rend super bien, j'adore. Voilà, et du coup on va passer ensuite à la tenue de nuit. Pour la tenue de nuit, voilà, c'est la troisième coupe qu'elle a. Donc c'est une coupe avec deux tresses sur les côtés, parce que pour dormir ça doit être encore plus confortable, parce qu'une seule tresse, ben ça fait une bosse. Là au moins elle peut dormir et ça lui fera pas mal à la tête, enfin quoique si elle dort sur le côté peut-être. Alors petite nuisette toute simple, hein, rien à ajouter, sans maquillage, voilà, rien de spécial. Pour la fête, j'ai décidé de lui mettre quelque chose d'un peu extravagant, un peu star, un peu ce genre de choses que normalement les gens ne portent pas. Enfin, quand vous êtes dans la rue, vous voyez pas les gens porter ça. Voilà, donc ça fait tenue, voilà, un peu de créateur, je dirais. Avec des talons, parce que forcément, on dirait un jogging, du coup, pour casser le côté un peu trop loose, un peu trop quotidien, un peu trop sportif peut-être même. Je lui ai mis des talons rouges pour,
qui va bien avec les détails rouges de la tenue. Donc pour la coupe en armée, la même. Pour le make-up, voilà, un petit make-up sympathique des familles. Voilà, couleur un peu nude. Moi, j'adore cette tenue. Je crois que c'est limite en tenue, c'est ma préférée. C'est ma préférée tenue que j'ai mis à Rihanna. Et ensuite, pour la piscine. Donc pour la piscine, j'ai mis un truc assez simple. Franchement, là, rien à dire, je crois. Je pense que même pour vous, vous allez me dire, ouais, t'aurais pu faire mieux pour maillot de bain. Mais bon, je me suis dit, voilà, un petit peu de bleu pour changer, quelque chose de simple pour changer, voilà, Arena en maillot de bain. Comme ça, bon, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Pour le temps chaud, j'ai mis exactement la même chose que pour la tenue quotidienne. C'est ce que je fais quasiment à toutes mes Sims. Pour la tenue chaude, je mets la tenue du quotidien. Comme ça, elle se change pas à H24. Parce que c'est vrai que les Sims ont tendance, dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait froid, à se changer très régulièrement. Et je trouve ça chelou de H24 se changer dès qu'on sort de chez soi. Alors qu'il fait beau et que, bon, à la maison en général, on reste habillé pareil quand on sort, quand il fait chaud, quoi. Donc, toujours chez moi, vous verrez, enfin, toujours, quasiment toujours, la même tenue quotidienne et la même tenue en temps chaud. Et pour le temps froid, et ça c'est, je crois, ma deuxième tenue préférée, voire limite presque comme la première. Donc c'est un pull Gucci, puisque forcément voilà, c'est une star, porte de la marque assez chère. Les talons, ce genre de choses que normalement on n'ose pas dans la vie, mais vu que c'est une star, elle a le droit, hein, j'ai envie de te dire. Non, on n'a pas le droit de porter ça dans la rue, hein, sinon on se fait relooker de la tête aux pieds, quoi. Mais moi j'adore, donc c'est un jeans noir simple en fait, et avec les talons par-dessus. Et ça donne ça avec le petit pull Gucci et puis ben, la natte. Voilà, parce que je me suis dit, comme ça, ça changera un petit peu de toujours porter la queue de cheval haute. Et ben écoutez, ça donne ça. Et moi, j'adore. Donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est la tenue préférée que vous préférez chez ma petite Ariana. Et pour le maquillage, ben écoutez, j'ai mis un maquillage un petit peu différent en œil de chat, comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Par contre, pour les boucles d'oreilles, c'est souvent les mêmes. De temps en temps, je change juste en doré ou en argenté. Mais c'est mes boucles d'oreilles limite favorites. J'aime bien. Elles sont discrètes, mais elles passent partout. Et ben voilà. Bah écoutez, on a fait le tour des tenues d'Ariana. En termes de voilà, célébrité et renommée mondiale. Ici, j'ai mis bienveillante, j'ai mis aime la musique et j'ai mis ambitieuse. Parce que pour avoir une carrière comme elle a là, il faut vraiment avoir de l'ambition. Ça, c'est sûr. Donc, c'est... bah voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Et bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à partager la vidéo à vos amis, et puis bah, éventuellement à télécharger la petite Ariana Grande. De toute manière, je vous mettrai à la fin un petit screen de comment la trouver dans ma librairie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao!